Ah bonjour à tous, ici Skagalaxa, j'espère que vous allez toutes bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon Violet. Et là, je vends deux malamandes pour le prix d'une. J'en ai pas envie de deux malamandes. Alors. Les arts toxiques. Ah, de boule. Ah, qu'est-ce qu'on a vu? Oh non, non, j'aime pas ça les trucs. J'aime pas. Allez, voilà. Efficace. On va changer. C'est lui. Elle a mal et la femelle. Oh non. Ah non. Oh, je déteste. Mais non! Mais non! Oh. Mais non! Il devrait pas avoir notre marché. C'est long pour rien. On veut jouer, nous. Arrête de faire tunnel, arrête. Mais c'est pas possible! C'est vraiment pas possible! Tu penses quoi? Ah oui, 3 vies, 3 PV. Merci. Ah. Ah ouais, Loïc, hein? T'as toujours un enfer, toi aussi. Faut que j'en revienne vraiment en Pokémon. Allez hop. Prends-moi, s'il te plaît. Voilà. Ok. Ok, du coup. On a des Pokémon à attraper. Ça, on aurait le temps de faire le... s'appelle. Le dominant. Non, faudrait que je passe. Ah ouais. Critique. Je peux faire un coup critique et ça l'affecte pas parce qu'il est acier. Parce que j'oublie. Hop. Mais finaise.
Roulade, non. Mais mec, non, pas roulade. Ah, j'ai fait demi-tour. Oh, mais je suis bête. Je vais pas faire demi-tour. Oh. Ah bah ça me prend la roulade. Parfait. Elle va faire que roulade. Faut encore que je revienne au centre Pokémon. Je déteste revenir au centre Pokémon quand je fais un truc. Il faut que je revienne. Ça me dérange pas de revenir quand que voilà je fais plusieurs combats et tout. Et là quand c'est un truc. Ouais bon, on va y aller, je crois. Le soulever des charges de 5 tonnes le matin, il se rend dans les grottes avec son troupeau en quête de minerais dont il se nourrit. Alors, on va aller, on va faire sac. Ah, super potion. Okay. Potion. Allez, c'est... Non, 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 non. Je sais que je sais pas, mais... hop. On va aller les chercher après, hein, les Pokémon. Je veux vraiment faire une lumine, hein. Par là-bas, on a tout ça à faire, à refaire. C'est loin, Domina, quand même. C'est sûr qu'on n'aurait pas pu, le faire, le Domina, avec tout ça. Allez, on s'en va. Appuyez la demi-là. Allez hop, on fonce dessus. Hop. Domina a des pattes. Fais de terre! Faire de terre. Et Domina, le Domina a ses tranches. Tranché. En vrai, les Domina sont pas si forts que ça. Faut juste que t'ailles. Non! Faut que t'ailles voir au Pokémon et qu'il n'y a pas la trouille! Ah, s'il te plaît. Non, mais arrête d'avoir la trouille! Genre, ça suffit maintenant. Ça suffit. Arrête d'avoir la trouille. Je sais qu'il est grand, mais arrête. Au revoir. Il y a la trouille. Mais arrête d'avoir la trouille, t'es capable. Tu peux le voir à one shot. Hein. Ouais. Vraiment. Ah. Ah, punaise. Ok. Oh, passion, hop. Ok, passion.
Oui. Voilà. Allez, on y va. Et mon scratcher. Manger quelque chose. Mange quelque chose. T'as réussi à coincer le dominant? C'est lui et le dominant acier tranché, mais c'est quoi cette longueur monstrueuse? Je pense que les nutriments que l'épice contient lui vont lui donner un gros coup de boost. Il va falloir venir en faire ça. Ah, hop. Ouais, faut pas avoir peur, hein. Il est énorme, mais c'est pas un problème. Je vais le cuisiner à la sauce Terracool. Terracool et les plantes. Les plantes seules, je crois. Voilà. De sable. Terre à dominant, ouais. Charme, non. Charme. On a gagné, trop cool, t'as géré. Au fait, t'as vu la tête du dominant? Haha, je m'attendais pas à ce qu'il y ait une tronche pareille. On va sûrement trouver un peu de l'épice secrète qu'il a mangé à l'intérieur. Viens, on va explorer avant qu'il revienne. On a forcément ici. Ah ah! Pardon, je suis un petit peu fatiguée. J'en étais sûr, la voilà. Encore une exhibition vraiment de monnaie. Alors, il nous dit quoi le livre? L'épice secrète salée, elle sert à soulager les membres engourdis et endolores. Elle sera aussi une super pour la force musculaire d'après le bouquin. Avec ça, Dogrino devrait se sentir encore mieux. Allez, à table! Eh ouais. C'est cool, il est sympa. On défait un Pokémon et on a droit à un sandwich. Et voilà, les sandwichs, je peux pas comme les aime. Et comme d'hab, un badge dominant en bonus. Il te sera à rien à l'aller, mais tu peux quand même en être fier. Graou? J'ai pensé à toi, espèce de morphale. Sniff sniff! Ça me donne pas. J'ai le sandwich. Ah, Miraidon. Il donne.
Moi aussi? Ouais, t'as pas vraiment beau. Voilà, c'est bien, mange doucement. Scrunch, crunch. Oh! Bonsoir, bon, ouais. Quel glouton, il a même pas le temps d'apprécier le goût de mes sandwichs. Lui aussi, il profite des bienfaits des espèces, mais pas la même manière, on va dire. Au fait, regarde ça. J'ai compris pourquoi il y a toujours un Pokémon dominant près des épices secrètes. D'après le livre, c'est une substance contenue dans ces épices qui les rend si grands et si forts. On peut dire que cette grotte était un peu le garde-manger du Pokémon dominant. Oh, Dogrio, t'as fini de manger? Oh, hein? Dogrio, mais ta voix, t'as entendu? Oui. Oui, hein, ça vient pas de mon imagination. Ah tiens, là, on a clairement entendu, je ne vais pas rêver. C'est bien, mon beau, c'est très bien. Ça fait si longtemps que j'avais pas entendu sa voix. La santé de Don Grégo s'améliore de jour en jour. Décidément, depuis que je te connais, il m'arrive de bonnes choses. Il reste encore 2 épices à trouver. J'espère que je peux toujours compter sur ton aide. Si. Agro! Ouais. Alors, c'est le vol? Je crois qu'on peut. Ouais, non. Le vol est grimpé. Ouais, je peux nager. Allô, c'est Iterillium. Viridon semble avoir retrouvé l'un de ses pouvoirs d'origine. Il peut désormais sauter plus haut quand tu appuies sur le bouton B sous sa fin de monture. Si vous appuyez brièvement sur le bouton B lorsque vous êtes sur votre monture, celui-ci fera des petits sauts. Tandis que si vous mettez B, appuyez sur votre monture. Bon, ok. Je compte sur toi pour continuer de prendre soin de Miraidon. Eh ouais, ok. Alors, du coup. Hop. Charby. Alors, un morceau. Oh, un truc. On va taper un peu de Pokémon. C'est bon. Charby, capturé. Pardon. Hop. Au fil du temps, des petits morceaux de ce Pokémon se détachent. On s'en sert comme combustible à la place de charbon. Ok. Mais il y a la foule. Parfait. Ça. Ah ouais, c'est pas efficace. Rapide. Ok. Hop. Ah, je crois qu'il ne pourra plus.
Grâce au gourdon qu'il produisait dans ses... dans son tas de charbon, il put avancer très rapidement sans que ses dingues s'affaissent. Alors ouais, le Pokémon feu, ouais, va avoir du mal à... Ok, du coup, on va aller... J'arrête. Et ça va faire 20 minutes, du coup. Bah c'est cool, on aura fait... on aura assez avancé. Ok. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Et puis, je vous dis très bientôt pour la suite de Pokémon Violet. Allez, je vous fais des gros bisous, bye bye.